Oups. Moi qui voulais faire une intro classe, j'ai pété un morceau de mur, c'est pas grave. Bob Lennon, et bienvenue, bienvenue dans la suite, le pouvoir de la force, c'est pas celui-là, un pouvoir de la force 3. Mais où ton perso est vachement moins fort. Oh, 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 je croyais chuter, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, impeccable. Oh, il y a un Bignou, le Bignou. Et bienvenue, hop là, sur Bob Lennon. Aujourd'hui on est bien et on enchaîne, hein, bien sûr. L'exploration de l'amour, la dernière fois on a débloqué le fameux force push. Le pouce caca de force. Ça a été détruit intentionnellement. Je peux encore ressentir la haine. Artefact brisé. Qui s'est énervé pour détruire ça, si tu veux? Très bien. Un mec qui s'est énervé, il a détruit ça, pourquoi pas. Ok, alors ici. Donc ça, on a débloqué cet artefact, donc ça c'est cool. Dans les salles précédentes, apparemment, il n'y en avait pas. Donc c'est vraiment juste une question de régler tous les problèmes de cette pièce ici. Et ça va pas être mince à faire. Ça va pas être mince à faire. Aïe. Ça va pas être mince à faire. Voyons voir. Donc là le vent tient à cause de ce truc. Et là il y a une boule. Et là il y a des choses. Et là il y a une autre boule. Et cette boule ça fait lever ça. Mais cette boule là-bas, est-ce qu'elle fait lever des choses aussi? On va bien voir. Hop. En tout cas. Cha-cha. Ah non. Bah merde alors, j'aurais cru. Oh shit! Waouh waouh! Où ça? Où ça? Ah là! Ah oui, c'est vrai, il a repopé! Mes excuses! Aïe! Oui! 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 Silence, je me concentre! Je mets la max! La max! Ah merde, la roulade ne suffit pas, d'accord. Vite, sois là. Merci. Oui. Aïe. Ça y est. Ah. Il sort pas les couilles. Au secours. Aïe. Vas-y, je te regarde. J'ai pas réussi. J'aimerais réussir à parer un de ces coups de poing pour savoir si c'est possible. Oh la vache. Non, ce n'est pas possible. Très bien. Donc c'est vraiment des ennemis à buter à l'esquive et à l'ancienne. Ok. Pouh. J'ai besoin d'un steam. Ce robot a été conçu pour pénétrer ma bouche, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Alors. Il y a plusieurs orifices et là je peux faire rouler la petite boule. Jusque là. Pour des raisons qui m'échappent.
D'autres sphères dans le coin, tu crois? Moi aussi. Cherchons encore. Ok. Cacha! Cha! Laissez-moi réfléchir. Donc on peut l'amener en haut. Ok, on va tenter un truc. Cacha! Cacha! Allez. 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 Allez, voilà. Confortable. Aha. Reviens là. Quelque chose d'utile? Hey. De l'air baume. Nouvelle apparence pour le droïde. Cette relique est très ancienne. Elle devait faire partie d'un rite initiatique pour les Éphos qui utilisaient la force. Fais voir. D'accord. Chier. Ça me ramène à mon point de base. Ok Grey, je te demande de copier-coller ce message à l'infini, de manière à ce que je puisse le voir et m'en souvenir. La question c'est, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il va libérer cette boule? Non. Hein. Ok. Plan B22. Attends, ça a ouvert cette porte. Peut-être qu'il y a une boule par là. Oui, allons chercher d'autres sphères. Ah! Allez. Cha-ha! Cha-cha! Bob, pourquoi tu fais ce bruit bizarre à chaque fois que tu utilises la force? Parce que j'ai été élevé avec Dune, de Frank Herbert et de David Lynch. Donc, mes excuses. Pour moi, c'est le même bruit que les modules étranges. Ok, allons-y. Ok. Cha, cha, cha. Cha. Ok. Ce truc là. D'accord, il y a un gros appel d'air. BD1. Oula, oula, mais t'étais où BD1 si t'es parti à la téléporte? Ah, voilà. Ah, encore un? Quoi, tu scannes ce tas de merde? Mon ami, ce tombeau était plus fascinant. Ah! Ça mène quelque part.
Quant à ça, cacha. Ah merde. Malédiction. Fuche très foutre couille, ça ne s'ouvre pas. Hop. Ah. Je vois. Chat. Merde. Chat. Chat. Voilà, ça y est. Ok, c'est bon, on y est. Quant à ça... Où suis-je? Ah putain, merde. Disais-je, j'en viens... Enfin, c'est pas que j'en viens de là, mais ça fait partie du backtrack. Donc, pour l'instant... Pour l'instant, retournons dans la salle avec les couilles. Ok, donc il y a une couille, deux couilles, trois couilles. Et pour avoir trois couilles, il faut avoir celle-là, ok. Faille en renvoyer un autre pour que ça suive le chemin et se fasse propulser là à grande vitesse. Je vois. Allez, fais la route. C'est bon. Viens voir papa! Parfait! Ah merde! Ah oui, je vois. Facile. Oui, drelin, saleté. Putain, j'ai cru que j'allais tomber. Tout va bien. Ok, alors attends, avant de faire toute chose. Ok, je vois. Cette boule, elle est au bord du précipice. Mais d'abord, regardons ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Moi, BD1. Merci. Je vais bien. Déjà. C'est la fin de la zone, Bob. Fais gaffe, d'accord. Demi-tour. Ouais, ok, je vois. D'accord, je vois. Du coup... Je fais quelque chose de bien, je ne peux que l'espérer. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Qu'as-tu découvert? Les effets sont venus sur Kashyyyk. Cordova a parlé d'un certain Tarful. Ah, un chef Wookie. Ils étaient de vieux amis. Vous pensez qu'il est vivant? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller sur Kashyyyk. Alors, oui!
Mais non! Oui! Mais non! C'est agréable de pouvoir profiter du son de cet ascenseur. Écoute. Pas de raison. La méditation, c'est gratuit. En plus, on peut apprendre un truc. Donc, ne nous en faisons pas. Récupération de force améliorée pour plus de force. Avoir plus de force dispo, ça c'est intéressant. Ou plus de barre de vie aussi, hein. Ça compte. Hein. Ça compte. Hein. Un point en barre de vie, c'est pas rien. Allez. Très bien. Voilà. Donc. Pourvu que je me fasse pas repérer par l'empereur. Tout va bien. Tout va bien. Ça se passe bien de ton côté, BD1? Baboup, comme il dit, hein. Il le vit bien. En tout cas, le jeu est beau, hein. Le jeu est beau, hein. Ça, c'est un truc qu'on peut lui dire. Ça met la max. Non, ça, c'est des mauvais sens. Ok. Aha ! Le trou, là. Très bien. Qu'est-ce que t'as vu ? Ah non, mais je sais, BD1. Merci. Ok. Donc là, j'ai activé toutes les couilles. Ça va donc donner la porte de sortie. C'est très bien. Là, il y a des choses à unlock par là. Ok. Donc si on suit... ce chemin! J'ai rien. Ce chemin. Voilà. Très bien, nous avons une porte à droite et une porte à gauche. Allons-y. Ah ! Avec une boule qu'il faut mettre au centre, mais ça a l'air de tourbiloler sec. Il y a quand même des choses que je peux pousser ou détruire. Par quoi on commencerait ? Avant de commencer l'énigme de la couille. Ça pousserait dans les quatre vents. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Les effets s'en servaient pour la méditation. Il formait des utilisateurs de la force. Ah. Des reliques de méditation Zepho. Incroyable. Ça fait du vent, ok. Ça fait du vent. Le but du jeu, c'est de faire une tornade. Ça fait du vent.
que le vent qui souffle dans ces carillons. Il y a des voix du passé. Chuchotement, très bien. Ok, ah, j'imagine que c'était fait pour que tu puisses le faire sans le force push. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et ensuite on me dit, il reste un coffre dans la glissade de toboggan que tu fais avant... avant le tombeau. Ah, c'est la question de quelle glissade de toboggan on me parlait. Ouais, peut-être par là. Hop. C'est sans doute le passage avec la corde. Ben voilà, on leur a bien retourné ce temple Jedi. Oui, si c'est bon. Ah merde, non, c'est pas bon du coup. Il va falloir déplacer une couille. A priori, celle-ci. Ça a pas l'air de bloquer le chemin particulièrement. Ok. Allez! 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 Non, allez! Non! Stop! Allez! Et bon! Et merde! Hop! Tac, 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 hop! Hop là! Ok. Donc là. C'est la glace. Donc là je glisse et avec la corde, il devrait y avoir un. Il devrait y avoir un truc. Simawa, banana, ouais, wa, Simeya, putain. Simawi, Simawa, banana, ouais. Ouh, comme tu dis. Encore un scan. Beau travail. Carillon avant, faites-vous plaisir, du lore. Hé. Hey. Qu'est-ce que c'est? Un poncho! Ah la la, ma que calor! On aime ça, nous, les ponchos! Par contre, pour sortir de là, c'est la bite! C'est la bite! Tac, 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 hop.
dois me faire soigner. Et merde. Ok. Allons-y. Oh shit. Ok, il commence comme ça lui. Ok, on commence. Ah putain, j'ai sauté. Mais c'est une onde de choc à chaque fois je me fais avoir. Back, back, back. Esquive. Back, back, back. Double esquive. Raté. Ok, j'ai payé. Taya. Alors j'ai payé la max parce que j'ai appuyé sur gros hit au lieu d'appuyer sur blocage. Donc je me suis pris double coup dans le double percute au foie. Le double percute au foie en boxe, ça pardonne zéro. Attention. Ce qu'il faudrait insérer, c'est les bruits de Yoshi. Vous savez, quand il saute et qu'il te laisse appuyer sur saut et qu'il fait vite, c'est pour essayer de voler un peu plus. Ok. Je joue dans la troisième difficulté du jeu, Maître Jedi. Le niveau 4 m'intéresse pas avec le lag et niveau 2, c'est vrai que c'était assez simple. J'étais en niveau 2 pour les deux premières vidéos, histoire de me chauffer, si tu veux, de savoir ce que je faisais. Et une fois que je sais ce que je fais, bon bah voilà. Ouais, ok. De Metal Gear Solid 3, allons-y. Voilà. Là, il y a Donna Burke qui chante en fond. Hein. Elle est là. What a thrill. C'est bon, on sort. Mais je ne me cache pas, chers amis, que cet endroit est clairement un écran de chargement. On est clairement dans un ascenseur de Mass Effect. Hein. Eh, hey, bien. Qu'est-ce qu'il est mignon, putain. Sans déconner, quoi. Je suis désolé, mais je suis vachement plus saucé par... par BB-808 que par la boule de Star Wars 7 et 8, hein. Comment tu te sens, BD1? Bien, tant mieux. Déchire tout. Ce robot déchire tout. Ok. Reposons-nous. On va faire repoper toutes les saloperies du temple, mais comme on n'y retournera pas anyway... Est-ce qu'on vient de rendre service à l'Empire? Probablement. Déjà, en les empêchant de venir chercher. Ah. D'accord, aucune question, pas d'introspection, pas de surprise, pas de... J'avais l'habitude de voir les bouches d'égout exploser à Nar Shaddaa, donc moi ça m'impressionne plus. Hein. Hiya! Boum! Hey, guilty! On va tester les choses. Ah, ça la renvoie en l'air. Je peux pas lui renvoyer à lui. J'essaie de faire ça au dernier moment. Ah non, c'est le vent. C'est le vent qui dévie les roquettes. Well. Alors, on va lui épargner l'effort. Ok, c'est bon, tu me vois? Tu me vois? Vas-y, Franck, tire!
Allez, Franck. Les 20 centièmes de seconde. On recommence. Vas-y, Franck. D'accord. Ok, je pensais que ça aurait marché, hein. Allez, attrapez-le. Ça marche pas. Très vexant. T'as plus de force, Bob. Ah bon? C'est vexant. Moi qui pensais que j'allais trouver un truc cool, quoi. Olé! Forcément. Ok, deuxième essai. Ah! Enfin! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il me tire dessus aussi. Ça touche. Bonjour. Ah, putain. Je reviens. Ah, bien, c'est rassurant de voir qu'il peut pas réussir, lui. Ok. C'est terminé. Ok, quelle que soit la distance, ça marche. C'est rassurant. Hi-ya. Allez-y, vous. Bah alors ça va? Ah, j'ai pas réussi à faire le... Qu'est-ce que c'est que cet achievement? Qu'est-ce que c'est que ça? Parer sans ennemi, d'accord, c'est nul. Ok, fantastique. Bon, alors... Doucement. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Du matériau pour sabre laser. Bah décidément, on va avoir masse de customisation et ça va être plutôt cool. Regardons cette zone. Il y a deux murs à péter ici. Un grand et un petit. Hop. Commençons par le petit. C'est allé vite. J'ai une sensation étrange ici. Des effets s'étaient rassemblés. Je me demande pourquoi. Peut-être pour un mariage? Qu'est-ce qu'on en sait? Ok, allons-y. Ah, ah putain, mes jambes. Ah, mes genoux. Ah putain. Ok, Hiya. Ok, d'accord. Faut le faire par-dessus. Très bien, mes excuses. Bien. Louis. Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut d'abord ouvrir les autres points? C'est toujours la grande question, hein. Ok, je vais voir ça. T'as trouvé quoi? Oui, de sonde. Oh putain. Non, je veux pas, parce que si je prends cette pente. Si je prends cette pente, je pourrais plus revenir. Et ce sera la galère. Ce sera la galère de toute une vie après. C'est moins...
moins cher que gratuit. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Continuez à creuser. Je veux des artefacts rares, pas cette camelote. Fouille des cavernes de glace. Hey! J'ai essayé d'activer la... Ah si, j'ai réussi à activer la map! Du coup, grande question, est-ce qu'on veut aller à la corde? Ou est-ce qu'on veut aller à cette espèce de région où... Parce que la corde, là, ça nous amène à une grosse glissade. Bon, tant pis. Évidemment. Facile, facile, facile. Mascozen. C'est bon dire. Là, c'est pas se rater. Oh, va se passer. Évidemment. Tac 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 hop. Tac 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 hop. Tac 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 hop. Aïe. C'était limite. C'était limite du cul. Ok, avec une corde raccourcie magique. Donc ça c'est un ascenseur, mais après. Miséricorde ! Ah ! Hop, plus de force. Ok. Très bien. Pas de parade possible, ok. Ah, la gifle. J'ai besoin de soins. Il m'en faut un. Du soin, les amours. J'ai besoin d'aide. Du soin. Zawaldo. Donc, moi qui voulais juste découvrir le point de raccourci rapide, scannons cette merde. Scanner. Vénère. Hein? Beau travail. Un Jotaz. Frapper avoir esquivé une attaque, c'est bien ce que je m'en doutais, ouais. Très bien. Donc du coup, ce raccourci est ouvert, voilà. Pour moi, c'est important d'avance d'ouvrir les raccourcis avant de penser à quoi que ce soit de débilus. Là, il y a un bonus. C'est gratuit. Hop. Allez. Je préfère les coffres, mais bon. Ça me fait plein d'XP, on va pas se plaindre. Une impériale est venue ici pour cacher une relique. Il y a eu un éboulement. Elle a été littéralement prise au piège. Ha ! Quel sac ! Pardon, cette porte. Elle ne mène à on ne sait pas. Reprenons l'ascenseur. Beaucoup d'ascenseurs dans ce jeu. On me dit, fais le tour! Allons-y. Euh...
Très bien. Non, parce que cet ascenseur est cool et il m'amène à une nouvelle zone. Et c'est fantastique. Mais... il y a la fameuse zone de glace qui moi me perturbe, si vous voulez. Ah merde, on voit, ça se voit. Faites pas attention. Ok. Wow. Ben sinon ça me posait des problèmes. Est-ce que ça va juste te ramener au début? Putain. Bon, il y a une porte là, remarque, tu me diras. On va pas se plaindre. Déjà, on va juste bully ce pauvre homme là-bas. Ah, j'ai plus de force. Ah, les rats! Je me fais bully! Je me bully! Putain, c'est l'heure de la vengeance! La vengeance, Rodriguez! Ah! Mais où est-il? Ce rat maîtrise la force. Tu peux me soigner? C'est beaucoup mieux. Tout va bien. D'accord, on s'en fout. Le rat Jedi, j'avoue. Aïe! Le Jedi est là. Ça s'est vu. Aïe, aïe, ça s'est vu, ça s'est vu. Voum voum voum. Voum voum voum. Vous m'avez perdu de vue? Non? Prenez-le en chasse! Tac! Ça, ça paye, Jean-Christophe! Oh ah, bah alors? Oh voilà, quand même! Ah non, mais c'est pas possible! Foutez-moi la paix, ragondin de l'espace! Allez. Saloperie, je vous jure. Alors. Ok. Cha-cha. Ouh. Je ne m'attendais pas à ça. Oui. C'est une statue Zepho géante. Donc je pensais trouver des objets Zepho. Tu veux dire la porte? Et que derrière du coup c'était impérial, j'avoue que c'est étrange, mais ah, je fais le tour, hein. Oh! Un interconnecteur? T'as raison, oui. Il devrait pouvoir remplacer le tien. On va te réparer, mon pote. Tu veux l'essayer? Fantastique! On a récupéré l'interconnecteur. On peut maintenant pirater les boîtes noires. Les boîtes noires impériales. Ou même les trucs comme ça. Génial! Alors attendez, d'abord. Tout d'abord. On peut bidouiller notre sabre laser. Malheureusement, on n'a pas d'autres cristaux, quel dommage. Alors, passer sur du verre, il n'y a pas de raison. Émetteur. Devoir et volonté. Alors, ça, c'est classe, mais il est un peu court. Oh, allons-y. Courage et sagesse. Devoir et volonté, d'accord. Poignée. Devoir et volonté 2. Devoir et volonté. On peut le faire pivoter, ok. Nature élémentaire. Oh là là. Ok, et métal d'alliage. En cuivre. En dur acier, en fer slivien. Le problème, c'est que la couleur est dégueulasse et on ne sait pas ce qu'on fait. En osmidirium.
C'est pas top, hein. C'est pas top, c'est pas top. Moi, j'aime bien le truc en embouge, en embougeoir. En embougeoir à bougie dégueulasse. On va garder ça pour l'instant. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait le taf, ça fait le taf. J'ai toujours trouvé les sabres Jedi extrêmement peu ergonomiques, si vous voulez mon avis. Comment tu te niques pas les doigts à serrer très fort un truc comme ça, si tu veux? Et surtout, comment tu n'appuies pas sur le bouton sans faire exprès comme un débile? Moi, je pense que ce serait beaucoup plus intelligent des sabres laser à gâchette. Ou du coup, quand tu laisses appuyer, quand tu serres le truc, enfin, ça fait pshou, si tu veux. Et puis, dès que tu le lâches, eh ben, au moins, ça des pshou. Ce qui fait que ça t'évite de te couper un bras comme un con. Enfin bon. C'est avec des verrous en scénarium, Bob. Ouais, je vois, je vois. Elle est en cuivre. En sauce. Pas de raison. Voyez voir. Bah ! Pas mal, pas mal, pas mal. Le cuivre fait bien ressortir le verre. Super. Vas-y. Eh bien. Et pourquoi tu étais plus loin quand j'étais là? Non, c'est bon. Ça va comme tu veux? Bon, super. Un ennemi en dessous. Ah, ah, pardon. Je bricolais. Je bricolais, j'ai dit. Non, s'il vous plaît, messieurs. Respectez-moi, respectons-nous. À un moment, voilà. C'est juste pas possible. Allez, vas-y. Bien. Excellent. Nécessaire. Ah, ça tue. Ah bon, j'ai pas le droit. Toutes ces portes-là sont ouvrables. Ce qui me donne des possibilités de gameplay absolument folles. Ça, et de rejoindre l'ascenseur en plus. Hein. Même si je sais plus exactement comment on y va, si tu veux. Mais oui, c'est assez fou. Hein. Allez. Ah oui. Je t'ai trouvé un truc. Défendre. Ah, trop loin. Mais... Ah. Ah, plus de force. J'étais à l'œil. Tu sais te défendre. T'es à poil. Voilà. Bon. Mais
merde. Viens là, BD1. Comment ça, viens là, BD1? Il était où? Il était où? T'étais où, BD1? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, il était nulle part. Putain, t'es passé juste à côté d'une caisse, qu'on me dit. Apparemment, je suis un débilus, hein. Mais elle est ouverte, cette caisse. Ah oui, je la vois. Très bien. Ah oui, et c'est même une coffre à verrou ultime. Impeccable. Super. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle peinture pour le Mantis. Eh ben, ça en fait deux. Sympa. Hop, 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 hop. Ok. Mais écoutez, je vais réavancer jusqu'à arriver à ce fameux sous-sol Jedi. Enfin, pas le sous-sol Jedi, le sous-sol de l'Empire, là. Après, essayer d'ouvrir le plus de portes possible, même si c'est complexe. Parce que là, vous voyez, il y a une porte. Et pour la rejoindre, il faudrait que j'accède à cette grande zone. Idéalement, cette grande zone serait le plus idéal. Donc si je continue, j'ai peut-être moyen d'y retourner, là. Je sais pas, peut-être. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Une chose est sûre, brave gens, c'est que je me suis perdu. Ça, c'est facile. Pour moi, c'était d'une simplicité enfantine de me perdre. Et un autre Agathe. Impeccable. Que peut-on apprendre qui serait intelligent d'apprendre? Plus de force ou une régénération de force accrue, ce qui est somme toute pas dégueulasse. Le fameux coup de pied ou les stocks retardés. Je sais pas si c'est intelligent ça, parce que tout porte sur avoir une portée absolument folle. Pas une portée, mais une vitesse folle en fait. Parce qu'il faut que tu sois le moins possible en attaque. Sprint réflexe. J'avoue, ça pourrait être utile. J'avoue. Ouais. C'est pas comme si ça coûtait cher et que je pouvais pas faire un épisode en off où je farm de toute façon. Ok. Tout droit sur ma gauche. Attention. Ah, allez. Attention à toi. Dans le dos, mon gars. Je vais pas tout faire moi-même. Arrière. Tu vas le regretter. Y'en a plus? Y'en a plus. Il faut déverrouiller ça. Pirate. Ouais, bébé. Les caisses, on aime ça. Ok. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Yes. De la custom pour Jackie. On aime la custom pour Jackie. Ben seulement... Oui, je vais dans la bonne direction. Dieu merci. Ah ah. Merci. Ne traîne pas, BD1. Beaucoup de portes, beaucoup de bases. Vous êtes sûr que c'est là que je suis censé être? Un insurgé! Attention, il n'hésite pas à tuer! Je peux te vaincre sans problème! J'hésite pas à tuer, techniquement je me défends! Hein. Je c'est de l'autodéfense, monsieur le juge! Hein. C'est de l'autodéfense! Tu vas le payer! Ah. Où est-ce que ça mène, ça?
à d'autres choses qui mènent à une autre porte. Décidément. On doit ouvrir cette porte. Allons-y. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est ? Un écho ? Psychométrie ! Ne vous préoccupez pas d'un artefact manquant. Je m'en chargerai moi-même. Ah ah ! Je médite. Ça fait repopper les ennemis, ça me fait plus de points. Mais gaffe, j'ai encore un point d'XP à dépenser, donc c'est cool. Donc maintenant, j'ai le sprint de déviation de la mort qui tue tout. Maintenant, je peux augmenter mon potentiel force. Et ça, c'est pas dégueulasse. Ok. Pardon. Attention. Regardez ça. Pas mal. Bon. Donc où suis-je? Il y a un petit truc rouge, pourquoi? Ah, il faut le scanner. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? L'ascenseur ne peut pas être appelé pour l'instant. Très bien. Ok, Ah. Et donc tout ceci, ça mène où? À une nouvelle zone. Oh, joie. Tu connais des blagues, BD? Je sais pas. Pourquoi? Classique. C'est beau, hein. C'est beau, mais c'est compliqué. Hein. Allons-y. C'est toujours un peu l'inquiétude, si tu veux. Tu t'attends à des mécaniques buggées. C'est Prince of Jedi, j'avoue. Eh, on va pas... Allez-y, vous. Oh, la gifle. je vais bien. J'ai rien. Je vais rester la tête dans ce générateur et attendre la relève. Sorry. Tech. Oui. Oh là 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 là. Je l'ai vexé. Oh. Ah, chier. Je vais te défendre. Ah. Dans la bite. Nous pas bon. Il arrête pas de bouger. Mais j'ai fait votre taf, venez pas me casser les couilles. Comme si j'avais besoin de renfort pour te tuer. Ce sera une simple formalité. Tac. Nanda. Doko miteru no ka? Le jeu a l'air giga facile dans cette difficulté. Oui, brave Jean, mais rappelez-vous que je suis en difficulté Maître Jedi et que la difficulté au-dessus, c'est Grand Maître Jedi. Et regardez cette fenêtre de parade.
Maintenant, essayez d'imaginer cette fenêtre de pareil avec un lag qui est le suivant. Vous l'avez entendu, hein. Voilà. Voilà, voilà. Vous l'entendez, ce lag? Et encore, ça se trouve, vous ne l'entendez pas, parce que sur YouTube, comme je fais les tests son, j'ai dû le régler de manière à ce que ça ne s'entende pas. Mais, moi, c'est moche, hein. C'est moche, hein. Voilà. Donc maintenant, imaginez Horizon Zero Dawn, que dans le jeu, vanille, sur une télé optimisée, directement branchée à la PS4 Pro, il y ait déjà ce décalage. Maintenant, imaginez que j'en ai fait un play-trou. Hashtag pendaison, hein. Ah, moi, pour moi, c'est Horizon Zero Lag, hein. J'ai cru que je l'avais glitché pendant une seconde. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Mais, alors, je suis où? Et surtout, où vais-je? Sécuriser toutes les planètes au nom de l'Empire. Pour ça, nous devons suivre les ordres à la lettre. Tout écart relève de l'insubordination. Est-ce que c'est clair, soldat? Oui, chef. Pardon, chef. Chef, quand est-ce qu'on se débarrassera de ce qui se balade dans les murs? Me dites pas que quelques rats vous font peur, soldat. C'est pas des rats, chef, c'est des Jedi. Quoi? Jedi repéré. Pa-pa-pa-pa. Ah putain. Voyons voir. Donc ça on peut pas le faire baisser. Ça on peut pas le faire là. Cette porte elle est ouvrable. Cette porte est ouvrable. La question maintenant c'est de savoir Non. Alors ça raccourcit par rapport en haut. D'accord, à côté du point de sauvegarde. Ok, je comprends. Ah oui, l'ascenseur ne pouvait pas être appelé. Allez, en route, BDR. Ne pouvait pas être appelé tout de suite. Voilà. On doit passer par là. Merci. Oh. Aïe. Je te vois là-bas. Bonjour. Approche-toi, traître. Tu ne fais que retarder ta destruction. Tu mourras là comme les autres. Tu périras. Tu n'as pas cette chance de moi. J'ai besoin d'aide. Raté. Serré, je viens d'affronter un soldat à l'armure rouge et noire, tout comme sur Braca. Un Purge Trooper. Leur unique but est de chasser les Jedi. Les Inquisiteurs débarquent? C'est possible, mais on est loin de Braca. Ils pensent peut-être que les Purge Troopers suffiront. Ou alors il s'agit d'un piège. Eh mais, il est magnifique! Et il m'a donné un combat qui était ouf! Est-ce qu'on peut en affronter plusieurs en même temps? Parce que ce serait l'excitation! Doki Doki! Waku Waku! Moi, Ah, il m'a hypé! Ah, les Purge Troopers, quoi! Reste sur tes gardes. Oh là là, si seulement on pouvait prendre son armure! Par contre, ça, c'est la mort à Darth Maul, hein, j'avoue. C'est un problème. Par là. Hop. Très bien. Oh non, il y a des bonus! Des bonus au loin. Oh well. Bon bah très bien.
Allons-y. Wouhou! Oh là là! Le repos. L'arbre de compétences qui sert à rien vu que j'ai pas les points. On y retourne. Oh, le Vénator qui est magnifique! Vous voyez ce destroyer stellaire? C'est un Vénator. Il contient peut-être des informations utiles. Je vais essayer de l'atteindre. Est-ce que j'aurais pas dû, genre, retourner au vaisseau depuis belle lurette? Est-ce que je suis pas en train de papillonner, mais quelque chose de cosmique? Est-ce qu'on se pose des questions? Dans tous les cas, toutes ces questions auront une réponse dans le prochain épisode de Star Wars, l'ordre tombé, la guerre des étoiles du jeudi. Ta-ta-ta-ta. Des bisous, merci infiniment, et à la prochaine, c'est ça qui est bon. Oh là 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 là, des effets spéciaux incroyables. George Lucas... J'allais dire George Lucas serait content, mais pas dit. On va arrêter de parler à sa place. La dernière fois qu'on l'a fait, il a vendu les droits de Star Wars à Disney. Calmons-nous. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zoom. Oh, oh, je fais bugger les traces de pieds au sol. Oh, les traces de pattes. Oui, c'est bugué. Oh là là, tout a despawn. Nous sommes sur PS4 Pro.